allez, plus fort. Et c'est un réel plaisir de partager l'histoire moi et la réalité présente moi dans Renaissance. Donc c'était en 2019, après que j'ai eu un incident qui était venu de moi, et puis devenu, finalement j'ai devenu une fausse couche, parce que j'ai eu des résultats négatifs. Donc moi j'ai devenu obligé, j'ai devenu tomber à 3 grammes sans, ça a devenu permettre que j'ai obligé de faire un transfusion. Et ce n'est pas un moment qui était facile, il était extrêmement difficile, parce qu'au niveau de CMTN, il n'y a pas de cas de sang pour négatif. Brièvement, nous avons rencontré avec Renaissance, coordinatrice, et que nous avons contacté, et puis la famille n'était pas ensemble avec elle, et puis c'est comme ça, c'est facilité que mon jeune sang pour négatif, pour être transfusé. Donc, je suis capable de dire, transfuser n'a pas changé rien, moi j'ai toujours été même, non. Toujours été normal. Il y a des gens qui toujours peuvent transfuser, les docteurs disent qu'on peut transfuser au besoin de sang. Ils toujours peur parce qu'ils ont peur. Ils toujours été en santé, ils n'ont pas fait de santé, ils étaient normal. Et quand ils ont quitté 4 transfusions, ils ont fait un donneur volontaire. Donc c'est la raison ça qui m'a aidé à avoir l'accent. Puis avec la question concernant l'enfant, il est vraiment vrai, selon la médecine, il est extrêmement difficile. Il y a plus de problématiques qui présentent pour nous. De résultats négatifs pour enfanter. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible pour enfanter. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des résultats négatifs qui ne sont pas normales, qui ont des 2, 3, 4 personnes. Ma par exemple, grand-mère, moi, qui c'est O négatif, à l'époque, grand-mère, elle n'a pas connu des difficultés, mais grand-mère fait 6 personnes sans problème. Qu'elle n'a pas connu que toute variété, une question de vaccin, grand-mère n'a pas de courant, mais grâce à Dieu, elle réalise 6 personnes pour que tout est normal. Mais, conseil de faire un monde qui a des résultats négatifs, immédiatement tomber enceinte, ou un médecin rapidement et suivre un médecin qui est vraiment très professionnel, qui est capable de suivre de près, et puis pour être capable d'aider ou passer pour un processus en commun. C'est seulement ça. Et maintenant, il y a une question qui est posée. Est-ce que mesdames qui ont des résultats négatifs sont supposées avoir un partenaire qui a des résultats négatifs pour permettre de ne pas avoir de problème dans la question de l'enfantement? Est-ce que c'est avec des résultats positifs? Dans ce cas-là, je vais expliquer brièvement comme exemple qui est vivant que vous-même, ou c'est ou de résultats négatifs et partenaire de résultats négatifs ou bien positifs. Le fait que nous parlons en grande majorité de résultats négatifs, c'est toujours difficile pour chaque femme qui a des résultats négatifs de nos partenaires de résultats négatifs. Mais si partenaire ou de résultats positifs, mettez un bon vaccin que vous mettez là pour ça, précisément, qui se les programmes qui cabolotent encore, mais qui apprenez à qui nous a donné la parole pour protéger tout le monde, et protéger en même temps, et puis tout le monde va passer normal. Très bien. Maintenant, actuellement là, ou enceinte, premier petit tour, deuxième, de résultats négatifs ou de un petit monde déjà. Mon deuxième, petit monde en santé, et comment porter petit monde là? Normalement, je porte très bien. Et je ne pas porter de négligence. Je vais aller dans un rendez-vous médical. Souvent, chaque mois, je visite le médecin. N'importe quoi, je me sens qu'il y a normal, je mets le médecin et je mets le normal, tout le bagage est très bien, bien en bonne santé. Bon, pour ne pas qu'il y ait trop, parce que à côté de process que vous apportez à même très très légère, tablier au sous, tout à l'heure là, ou dans la cuisine, ou à monter de sang, ou à faire préparation pour les gens qui viennent dans l'activité Renaissance, ou pas à baisser présentement, mais ou pas à participation quand même. Et qui conseille pour capable bail mesdames yo qui peut-être pas connaît si le résultat négatif parce que là en Haïti vu tout problème sanitaire que nous gagnons pas vraiment gagné en série de sensibilisation ou bien pour moun yo vraiment connaît dans bas âge qui groupe sanguin yo gen moun la gagné 30 ans 40 ans pour connaît qui groupe sanguin yo gagné. Maintenant selon vous même ce qui conseille ta capable porter bail toute femme qui tu as supposé arriver dans l'âge pour faire petit, pour faire que tu connais pour sanguin. Bon, ça, c'est une réalité parce que moi-même, je me rappelle la première fois que je fais groupe sanguin et que je fais ça, je te dis que c'est positif. Donc, tout ça m'a réglé, toute pièce, tout à fait, c'est toujours bien positif.
c'est pendant que je suis tombée enceinte, mes médicaments, et puis m'a suivi le médecin, et puis elle fait, même moi-même, j'étais têtue, je me dis, médecin, non, c'est au négatif, au positif. Moi, elle dit, non, madame, c'est au négatif. Donc, c'est là, ça me connaît au négatif. Et à ce moment donné là. Donc, je conseille à mon les oral fait examen sur le groupe sanguin, pour y faire le côté qui est fiable, pour y capable de donner un résultat qui est exact. Comme ça, il connaît vraiment qui est risque. Et concernant le conseil de travail, moi-même, bien que je dis ça, bien regrette, moi là, dans l'inaction, je ne peux pas participer, je ne peux pas faire don par maintenant. Parce que c'est toujours un plaisir pour moi, là, comme si je partage sans cap couler dans 20 mois. Mais je dis ça, fait mon papier, tristesse, moi, je ne peux pas partager. Je dis, mesdames, pas négliger, vin baissant, pas négliger, participer, collaborer, parce que c'est très important pour nous.